À l'instant sur la 5.7, il va à ce microphone, là, mesdames, messieurs, excellent après-midi à vous à l'écoute de la Bonne FM Radio Miyagi. Et bien, on se joue cet après-midi avec un artiste qui nous vient tout droit du Burkina Faso, un artiste confirmé, on va dire, qui a même sorti trois albums. Vous avez l'occasion de le découvrir, de l'écouter, de percevoir son talent. Et bien, il s'agit de l'artiste Jean-Luc Badolo, le général Débinon, voilà, avec nous. Et bien, on le retrouve. Bonsoir, artiste. Bonsoir, Débinon. Bonsoir, comment ça va? Allez, c'est un plaisir pour nous de te retrouver pour la toute première fois ici à Miyagi sur la radio. Vraiment, ça me fait l'honneur. Alors, tu nous viens d'arriver du Burkina Faso, tu es en pleine tournée, tu es un artiste qui a trois albums. Est-ce que tu peux nous parler de ton album, le premier album, quand est-ce qu'il a été produit, quand est-ce qu'il a été mis sur le marché, le deuxième et le troisième album? Ok, d'abord, premier, je remercie Bondier, c'est lui qui m'a inspiré. Mm-hmm. Et puis, avoir trois albums sur le marché actuellement. Et le premier album, c'est le nom du premier album, L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Sacrifice, si tiens, ta maman, ton père est là. Il faut bien les écouter. Mieux que s'ils parlent, tu vas aller faire les sacrifices pour que tu puisses devenir quelqu'un. Oui. Autant, pendant qu'ils sont vivants, tu dois les écouter. Après, l'air de parler, toi, tu peux utiliser ce qu'on t'a donné. Comme, on ne peut pas te donner de l'argent, ça peut te garder. C'est le conseil qu'on te donne pour le moment. C'est ça qui peut te faire devenir quelqu'un demain. Le deuxième album, c'est le courage. Tout ce que tu fais dans la vie. Mais si ça ne marche pas, il faut prendre courage. Un jour viendra ça. La persévérance, on ne baisse pas les bras. Merci beaucoup. Il faut aller demander ces mêmes qui sont célèbres aujourd'hui. Mmh. Ils vont te dire que ta amitié était mieux que voilà. Donc, troisième album, je me suis assis, réfléchi, voir. Et notre crise de caisse, ce n'est pas un seul pays, partout en Afrique. On dirait que les gens n'ont pas envie de vivre ensemble. Au bout de temps, en réalité, notre assemblée, d'être ensemble, là, ce n'est pas notre choix. C'est Dieu qui voudra d'être ensemble. Donc, oui, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. On ne s'est pas choisi. Exactement. Oui. Voilà, si vous voyez au moins les frères qui sont même pères. Ils sont en train de se diviser. Oh putain, non, vous n'êtes pas au courant au moment quand vous êtes venu au monde. C'est Dieu qui vous l'a. C'est lui qui sait que vous pouvez se supporter. C'est lui qui sait que vous pouvez vivre ensemble. C'est pour ça qu'il vous a réunis ensemble. Donc notre devoir est de faire tout possible d'être ensemble comme Dieu nous a mis ensemble. On n'a pas une question à dire que l'autre, même s'il n'est pas bon. Vivre ensemble parce qu'un jour il sera meilleur parmi la famille. C'est ça, tu peux dire, la famille commence, le nation commence dans la famille. Après la famille, on peut parler de quartier. Après le quartier, on peut parler d'une région ou d'un pays. C'est le continent africain, Afrique même. Nous ne savons pas comment c'est commencé. Mais nous savons, c'est grâce à Dieu, grâce à une seule personne, il y a des personnes qui font du monde. Voilà. Alors, le premier album, le deuxième, le troisième, chacun des albums propose combien de titres? Et chaque album, c'est 5 titres. 5 titres. Le premier album est sorti déjà en quelle année? On a fait sortir le premier album en 2018. 2018. Oui. Deuxième album en 2019. Oui. Troisième album en 2020. Voilà un artiste qui est très inspiré. Et puis, il y a beaucoup de conseils, on voit dans ta musique, hein, beaucoup de sensibilisation, un message à faire passer. Oui. Vraiment, cela ne vient pas de moi, c'est Dieu et mes parents, parce que j'écoute toujours le parent, parce qu'il y a tellement
nous on peut rien faire. Que si t'as la moitié de la musique là, nous on peut même pas créer quelque chose parce que nos parents ont déjà tout fait, déposé. C'est comme une richesse à nous d'exploiter. Ils maintenant. Ont créé tous les rythmes, ils ont créé tout. Voilà, tout est déjà tout. Là. Il faut voilà, c'est ça nous d'exploiter. Oui. Voilà, parce que je vois. Ça me fait honte. Je vais parler. Ça me fait honte de voir des gens qui quittent en Afrique, aller en Europe, en Afrique, pour chercher des styles, pour venir réaliser aussi. Même s'ils arrivent de réaliser ça, c'est quelque chose qui va perdre. Jusqu'à la fin du monde, ça va perdre. Notre culture sera toujours notre culture. Nos parents déjà font tout. C'est ça qui fait que nous sommes des Africains qu'on nous respecte partout dans le monde entier. Garder son authenticité, son originalité, vous l'avez compris, l'artiste, le général Debinon, il est avec nous, il nous vient tout droit du Burkina Faso. Déjà 3 albums sur le marché, 2018, 2019 et 2020. Voilà. Alors, on va écouter ce titre Niretou et puis on va revenir. En attendant, tu vas nous dire un peu qu'est-ce qui est dit dans cette musique-là. Merci beaucoup. Essa o cu de lá tá me a ouvir tudo. Essa o ora e lá tá me a ouvir tudo. Essa o cu de lá tá me a ouvir tudo. Na via na vida aí já o tempo. Essa o cu de lá que me sorto que levo. Trilhar lá ga 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 ga. Já sei pra quem é. O amor é de onde? Moro na banana. Vamos lá o sonané. C'est un peu de cela qu'il s'agit. Hein. Oui. Très inspiré, un artiste très avec des messages très forts, très poignants. Lui, c'est le général Debinon, Jean-Luc Badolo, dans le logo de Radio Miyagi. L'instant avec lui, on parle de sa musique, on parle de ce talent qu'il a. Et bien, tu arrives à Miyagi pour nous faire profiter de tout ça. Tu arrives à Miyagi pour nous faire profiter de ton talent. Il y a une tournée, il y a un programme qui est prévu. Déjà, ça commence même demain. Exactement. Et quand je suis arrivé à Miyagi, j'ai croisé le jeune, le plein de jeunes qui est dans le comité Gourouzi, leur chef aussi. Oui. Voilà. Aussi, je me suis dit que je vais essayer. J'ai demandé si à radio ici, on m'a dit à radio. J'ai dit non. C'est eux qui nous font comme des artistes. C'est aller porte à porte là. En même temps, je vais aller à la radio. Tout le monde va sentir notre présence ici à Miyagi. Mais à Miyagi ici, j'ai tenu compte, je n'ai pas encore contacté tous les promoteurs qui sont à Miyagi qui peuvent nous aider à organiser un concert. Voilà. Donc, je m'y pose parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dessus le 20 entre le 25 sur ici à Miyagi. Le 20 et le 25. Voilà, entre le 20 et le 25 et ici à Miyagi. Oui. On va vous confirmer le jour dès que le temps. Ok. Merci. Alors, est-ce que déjà, pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec toi, est-ce qu'on peut avoir, ton contact? Oui, très facilement, il peut avoir mon contact. Comme je suis arrivé, j'ai payé une nouvelle piste ici à Miyagi. Voilà, je pense que, est-ce que vous pouvez avoir le numéro tout près? Vous pouvez me confirmer. Voilà, je vais les donner mon numéro WhatsApp de Burkina Faso parce que si on peut me contacter sur WhatsApp, on peut me donner vocal, on peut m'écrire. Oui. En attendant, ça c'est le numéro. C'est numéro je vais dire que 70 0226 70 00226 70
40 16 92. C'est mon numéro WhatsApp depuis Burkina Faso. Est-ce qu'on peut répondre encore? Je dis 00226 70 40 16 92. Alors, on écoute un peu le titre africain. Oui. Puis je rappelle à tous nos auditeurs, tous ceux qui suivent l'artiste à l'instant, que dans quelques instants, oui, puis on va mettre une pause. Ça sera la séquence a cappella, la séquence acoustique. Il est là avec la guitare, oui, qui manie à merveille. Et donc, on aura l'occasion d'apprécier, de découvrir le talent de l'artiste. On écoute africain et on revient dans quelques instants. Mon Afrique, la jeunesse africaine. Les bras africains, soyez vigilants. C'est par manque de vigilance que nos chefs d'État échouent dans le combat. C'est avec l'amour sincère et la justice que nous pouvons bâtir une meilleure Afrique. Vive l'Afrique! Les anciens pour prendre des concerts chez le VA pour construire notre Afrique. Car Dieu le créateur qui est dans les autres continents, elle est même ici en Afrique. Afrique. Voilà l'artiste du pays de son intègre, d'une fils de sa nation, d'un fils de l'Afrique, amoureux de l'Afrique, amoureux de la culture africaine, de son identité, de sa personne. Eh bien, tu nous chantes ça à merveille. Hein. Il faut rester soi-même, il faut se développer à partir de ce qu'on a. Oui, je vois ici en Afrique. Oui. Et chacun de nous est né dans une famille. Oui. La famille où que tu es. S'il y a un problème là, on règle ça dans la famille. Ouais. Si tu vois qu'on n'a pas pu régler ça dans la famille, c'est dès que... Si tu vois quelqu'un qui part dans une autre famille pour qu'on vienne régler dans quelque chose dans son famille là, c'est là notre culture, dans notre chez nous, je peux dire que c'est l'injustice. Si toi tu sors avec femme de ton frère, parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui peut te pardonner. Oui. Parce que tu as fait et tu as commis une erreur quand tu ne dois pas commis dans la famille. Oui. C'est là que tu pars dans une autre famille pour aller les demander pour qu'ils viennent supplier à tes parents pour qu'on t'accueille dans la famille. Mais chez nous en Afrique, il y a des choses qui se passent. Moi, je suis petit pour parler, mais c'est nous les petits qu'on doit parler. Parce que le grand là, il bouffe, il ne peut pas parler comme ça. Mais pendant que nous, parce qu'un jour viendra, ils vont me donner à manger. Oui. Quand ils vont me donner à manger, là, je vais fermer ma bouche. Mais pendant que j'ai la possibilité pour parler, là, je vais parler pour sauver les moitiés ou que je peux sauver. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut parler ça. Voilà, des choses qui se passent dans ton pays, régler ça dans ton pays. Il y a des impuritains, il y a des vieux peuples mobons qui sont là. J'ai le pays là, pendant que tu n'es pas connu. Mais il faut aller les toucher pour gérer le problème là. Oui. Maintenant, tu t'élèves, tu pars dans un autre continent pour qu'ils viennent gérer l'affaire de ton téléphone. Ça, c'est crime. Oui. Ils vont venir calmer ça, mais ça n'a pas fini totalement. Et si la jeunesse africaine, nous militons la vie des Européens pour vivre, parce que nous, on parle que Dieu nous a donné tout. Mais on ne voit pas ce que Dieu nous a donné. Mais ça reste ça nous d'exploiter ce que Dieu nous a donné. Voilà un artiste très engagé, un artiste très amoureux de sa patrie, de son continent, de son peuple. Alors on va écouter, on va aller avec toi avec dans la version, j'allais dire, acoustique. Voilà. Et là, c'est ta guitare, c'est la voix, c'est ta musique, nous a ressenti les choses, donner le message, voilà, de sorte que nous on puisse dire waouh. Allez.
la partie est à toi maintenant. C'est pas merci. Toi. J'ai une chanson, c'est à travers de ces chansons-là que beaucoup de Burkinabés m'ont découvert. Parce que quand j'ai tourné ces chansons-là, c'est une réalité. Beaucoup de gens ont pris qu'on m'a prisonnier, pourtant c'est du faux. Parce que les autorités aussi voulaient ces sons-là pour sensibiliser les gens. Ça peut, ce n'est pas tout ceux qui aiment la Corée. Il fait le corrompre les gens parce que ce n'est pas tout. Voilà, donc ces sons-là, quand j'entends les sons-là, tout le monde sait qu'ils vont écouter ces sons-là. Il sera que c'est moi, je suis à la radio et au Miyagi FM, la radio du développement. On va se développer ici ensemble. Merci. Na fasuli yena jume ya yane, fasuli yena jume ya yane. Salwa yini umpa wa pyoyo, ya yene za chochene, ya yene kapose chene, ya yene za wampia yijasho. Bujina fasupe letu mashiru bose, ukwadala sumo pyo dato jasho. Wanchi konson no pyo dato jasho. Ola bushire we, sozi onpo we. Aya were ma. Boka te pire da wa yele gonka ma pinchini. Boka te pire da wa yele gonka ma pandawane. Boka te pire da wa yele gonka ma pandawane. Nyi tene ja, kama jena yela. Jena faso kya do kwa waka shena duane faso kwele yo naga kwele nyi faso kutu cho nyona gane cho yizu kwa li jena yi dami mwora we lwana yi faso kwele yo naga kwele nyi faso kutu cho nyona gane cho. Jean-Louis Janus, on m'a donné, il y a eu, c'est un douane, pas sûr que tu es là, n'a pas de quoi, pas sûr que tu es là, tu n'as pas de quoi. Tout la jeunesse m'a dit, c'est un douane, il y a eu, n'a pas de quoi, il y a eu, n'a pas de quoi. Gana jobu le bam de magi shena duane miagi gukwele yo naga kwele nyi miagi gutucho yona gana jobu le policien de miagi shena duane miagi gukwele yo naga kwele nyi miagi gutucho yona gana jobu le zijeja de miagi shena duane faso gukwele yo naga kwele nyi miagi gutucho yona gana jobu. Là, c'était pour dire à toute la jeunesse de se réunir pour le développement de ce pays-là. Si ce pays-là est gâté aujourd'hui, nous tous on est foutus. Même si nous, les Burkinabés, on rentre ici pour chercher à lancer là. Parce que tout le monde, tous les Africains savent que Abidjan, c'est un pays qui lance des artistes. C'est un pays incontournable en Afrique. Tu ne peux pas contourner en Afrique, à Abidjan, pour aller en Europe. Parce que même si tu contournes à Abidjan pour aller en Europe, là, on ne te connaît pas là-bas. Ils vont te demander si tu es reconnu ici. Voilà. Donc, c'est un pays qu'on doit préserver. Si c'est bien aujourd'hui, c'est pour nous tous. Ce n'est même pas pour vous, c'est pour nous les Burkinabés. C'est pour nous les Maliens. C'est pour les Togolais. Merci. Donc, encore, il y a nos sœurs aujourd'hui, souvent nos mamans, ils ne comprennent pas les choses. Quand tu vois ta fille enceinte, il faut prendre le temps de demander à la fille là, qu'est-ce qu'elle a mangé. Parce que tu peux pas. Si ta fille n'a pas mangé là, elle ne va pas grossir. Parce que, excusez-moi, hein, parce que c'est dès que tu manges, tu grossis. Tu peux grossir. Si tu ne manges pas, non, tu ne peux pas grossir. Donc, cette chanson-là, toujours, en grossit.
on va faire le bon mélodie ensemble avec les jolies femmes africaines qui sont autour de nous ici. Où est mon frère? Ici. Anna ya son den kachom bia wo yele nye kondo we moko mjumu yor miere nyele mo Anna ya son den kachom bia wo yele nye kondo we moko mjumu yor miere nyele mo shaga igu poluli kana santo yola biala zankwara yola pui konyi lulu moyuwa konyi lutura jirwa unpwenjinte wogon puri wuke Anna za shirfwa za mfara mkwene njo Unyare shenye yoshe napalawa Oku za nsambi Nto nane ojirmo gulusaru Oza chirmo donjel ojirmo kenetu Okempa nuna ya nutime Uno ya nunyoli Oya wakana pa nufurkana yila La chien au quoi, Zaza au quoi, Zaza au quoi, Bébier, un yon, 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 calam, yon, ya, venir, 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 Poro du jomye, nyo gina jizua Anna ya son tem, kacho mbya woyele nyo kondo we moko mjumu Nyoro nyere nyelema Anna ya son tem, kacho mbya woyele nyo kondo we moko mjumu Nyoro nyere nyelema Kotwe ne shibya kura Kotwe ne chibya chishanle Zao kwa nyanje chuno turkanaga Kuhulabe achuno somkanasu Konu farsaje chuno turkanaga Gaminyam saje chuno somkanasu Kodunia nyanje chuno turkanaga Konu farsaje chuno somkanasu Janyi aje chuno somkanasu Nyanje chuno turkanaga Nyagili kana Nyanje chu no son kana son Abidjali kana Nyanje chu no tur kanaga Hey! Nyanje chu no son kana son Nyanje chu no tur kanaga Duruba, 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 duruba Bino, 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 yela bino Bino, duruba, 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 hey! Longo was druba, mama, 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 bomba ka, druba, 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 Je veux faire ça à l'île. Voilà. Parce que, et si aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé de mon quatrième album, c'est déjà enregistré. Je dis, je veux aller prendre la bénédiction de mes parents qui sont en Côte d'Ivoire. Je veux aller prendre la bénédiction, le Dieu de la musique. Je sais que c'est là que c'est en Côte d'Ivoire. Pour venir. Sorti cet album. J'ai déjà enregistré ça. Aujourd'hui, je dis, quand tu as l'argent là, c'est toi qui as tous les problèmes. Parce qu'on dit, quand tu as l'argent, tous ceux qui mourent dans les accidents, et c'est toi qui les tues parce que tu as l'argent. Mais toi, moi je pose question, mais toi tu es pauvre. Mais tu as bouffé wak pour être pauvre, non? Si tu crois que l'autre qui a l'argent là, l'a bouffé wak pour avoir l'argent là, ce que tu as provoqué là, c'est pas pour rien, tu as bouffé wak. Donc, le fais doucement, doucement. Si tu vas aller consulter ceux qui ont de l'argent là, toi, si tu vas avoir l'argent, ils vont te donner le, montrer le chemin. C'est très difficile de se battre. Il y a des gens qui sont rentrés en bourse pendant qu'ils ne sont pas connus, mais ils sont toujours là-bas. Mais nous, on est ici, on vit ici. Si on gagne au moins 1 500, on boit 3 bières, on est à l'aise.
mais il ne faut pas critiquer les autres qui ont de l'argent. Il faut rentrer en plus, toi aussi, tu vas avoir pour toi. Merci. Yigo kwelelo osa wonju werecho somyena more nju no morcho na Yigo kwelelo asa wonju werecho somyena more nju no morcho na Yipene dunyo kona itolo populashe Yigo ponyo dumpo no lolo pwiri chonda wenele Hey! On you ma biere o te woche ma china tum en ya va chonu pa yonji chala cho en ya va chonu pa yonji ka jerjo en ya va chonu pa yonji so kona piu yon da mo koroso ma igu kwele lu o wonju were cho samya no more anju no more cho na igu kwele lu asa wonju were cho samya no more anju no more cho na Reviens ceux qui insultent les politiciens. Nous tous, nos parents nous ont mis à l'école. C'est pour aller étudier. Vous savez, l'école là, il n'y a pas un travail. C'est d'avoir, d'être vigilant que l'autre pour pouvoir bien le rouler. Parce que c'est ça qu'on l'école. On a mis nos enfants à l'école aujourd'hui. Mais si tu n'as pas bien sécurisé ton compte d'Orange Monnaie, c'est eux qui vont éviter vider ton argent dedans. Mais c'est toi qui les as mis à l'école. Parce qu'ils ont arrivé d'avoir d'autres stratégies, toi tu n'as pas eu. Mais arrêtez d'insulter les politiciens. Quand tes parents t'ont mis à l'école, c'est pour voler. Mais toi, à cause des jolis goûts, la boisson, facilement avoir l'argent, tu as laissé l'école. Ceux qui ont resté, laissez-les, ils vont voler pion. Parce que tu n'as pas choisi de voler, c'est pour cela que tu es là. Si tu peux continuer, il faut continuer. Si tu ne peux pas continuer, il ne faut pas insulter les autres. Lua causa o tiano com a lua, olhando a juni, oxando com a lua, olhando com a uane, oxando com a lua, olhando suculini, oxando com a lua, olhando com a juni, oxando com a lua, olhando com a lena, oxando com a lua, cuide juli com o sol, oxando com a lua, olhando suculini, oxando com a lua. Do pireji yigza kureyo, enyi pupu nandu, enle yishurumu, okwa yato akuna wocho wera na wola, ejo zumbi yilo tawachunu kwa luwe, ejo wolere yilo tawachunu kwa luwe, sogo wolere mye, ogo tuafal, ogo koswa juiji usukuli wotuma, ando zombo yuale, iku kwele lo, o wanju werecho, Samia no more, enju no more chona. Yigo kwele lo, asa wonju werecho. Samia no more, enju no more chona. Aujourd'hui, tu vois un jeune frère, il n'a rien. Il veut se marier. C'est des cas qu'il a dit qu'il ne faut pas aller le marier. Parce qu'il n'a rien. Mais s'il n'a rien aujourd'hui, tu peux les donner des enfants qui seront des gens qui seront meilleurs de leur vie. Il faut les laisser. Ils vont se marier contents d'avoir des enfants bénis. Bako Chao. Dagu pia na moli do to tem owa ona yenda ne
Onyimbo kakaje na yezu machili mdorombo msenda ne yise mungwe pishina Okono loli ubiigi ya teloni Odundu woka, oka kwen woka yise msufla Nagulo she, oko zutu oba Ona lolo ola, e bango lolo ola Mienye yeno molo ya S'il n'a rien à dire, que ton fils n'a pas beau. Il n'a pas beau, est-ce qu'il est beau? Faut les laisser. Yigo kolen yo, o mio wala momye, o wala kolmye, o wala somye, o zon wache vache na kwa mouni so wache yo. O don ne nyinoka, o don jiki oko, kofo mou wachoro pa. Tatura lo mou wachoro. Comme tu as dit que le sorcier, si Dieu t'a donné quelque chose aujourd'hui là, il faut aller chez les charlatans. Ils ne vont pas te bouger. Il ne peut pas rire et il ne peut pas pleurer aussi. Il ne peut même pas te regarder. Il revient que lui là, qui est le sorcier. Au moins quand tu attends que les gens disent que tu es sorcier là, eh, faut savoir. Ils sont allés chez les charlatans, ils n'ont pas pu. Chez les marabouts, ils n'ont pas pu. Ils ne peuvent même pas rire. Ils ne peuvent pas pleurer. Et ils reviennent te dire clairement que tu es sorcier. Yigo kone yo, o mio wala monye, o wala kolmye, o wala somye, o son wache mache na kwa mune so wache yo. O don ne nye noka. Oh, don't get me a go, moi, tu n'as pas. Comment tu as su qu'il est sorcier? Merci. Voilà, l'instant avec l'artiste, le général Debinon, pour cet acapella sur la radio. Merci à l'artiste de nous avoir fait profiter superbement de ton talent et puis on est très content, ça fait beaucoup qu'on nous a donné là. Eh bien, l'actualité avec toi, c'est quoi l'actualité? Qu'est-ce qui est prévu dans les jours qui viennent? C'est vrai que tu nous as parlé du 25, mais il y a déjà du côté de Ousoukro, c'est bien ça? Oui. Quelque chose qui se prépare. Oui, exactement. Les informations. Oui, et demain, je pense que Ouskro et Gaïri, voilà, dont tellement de noms que moi-même je ne maîtrise pas. Voilà. Et le manager qui nous a envoyé ici, c'est Draman Bado. Hier, il était avec nous. Mais il est reparti à Sandra pour voir. Je pense que Gaïri, Ouskro, c'est le côté de Sandra, oui. Voilà. Ou bien, je ne sais pas, je ne maîtrise pas. Oui. Voilà. Voilà, donc il est parti, pour préparer le terrain, voilà. Donc avec lui, on a des contacts, je vais prendre le contact pour donner le contact de Manandia aussi, ajouter, ok, il faut donner le téléphone, voilà. Oui, tu dois avoir le numéro de Manandia. Ok, merci beaucoup, ok. Directement, je vais donner le numéro de Manandia. Alors, Draman Bado, le 00-225-07-08-57-29-00. Je dis bien, et si on a encore diversifié, ce n'est pas la peine de dire 00. Voilà. Donc, je peux dire que 07-08-57-29-00. Et 07 08 57 29 et 00. Chao, c'est lui qui nous a accompagnés ici. Nous étions ensemble. Voilà, lui, il a bien dit. C'est lui qui va voir le concernant l'organisation de ça, de ci. Lui, son numéro, c'est 05 73 02 03. 05? Oui. 05 73 02 03. Voilà. Pour... Moi-même, je ne sais pas, c'est mes fans qui sont cachés dans les gros. Voilà, je sais qu'ils nous suivent de près.
Voilà, il peut prendre mon contact direct. Ça, c'est sans fil. Oui. Ouais, ouais. Le contact direct est sans fil. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est toi-même directement. Exactement, exactement. Voilà. Oui, c'est 07 04 43 16 90. Je dis 07 04 43 16 90. Voilà pour les contacts personnels hein, de l'artiste, général Adelinon. Jean-Luc Badelo, quatrième album qui sortira bientôt, il a dit, hein, tout est fin prêt. Oui. Bon, il a tenu à venir en Côte d'Ivoire pour, comme il a dit lui-même, venir dans l'antre de la musique pour recevoir l'onction aussi de la communauté, des mélomanes ici. Il sait que les Ivoiriens sont très amoureux de musique. Oui. Donc, pour aussi avoir un avant-goût à partager tout cela avec le public ivoirien. Puis, certainement, du côté de Burkina, l'attente là-bas sera encore plus favorable. Alors, wow. Il y a des fans qui nous appellent. on va les récupérer tout à l'heure. Alors, quel message hein, tu peux adresser comme ça à toute la population qui nous écoute? Je n'ai aucun autre message. Plus, je suis un homme de la cohésion sociale dans mon rythme partout. Ce que je peux dire, parce que Miadi est bien organisé. Quand je suis venu, je vois que tout le monde, c'est même qui me paie la bière là. On dirait que je n'ai jamais croisé un Burkinabé qui me paie la bière. Vraiment, moi, je ne comprends même pas. Si tu veux avoir des bonnes personnes, il faut chercher en Afrique, il faut venir ici à Côte d'Ivoire. Tu vas avoir des bonnes personnes. De continuer avec le même cohésion. Parce que s'il y a la cohésion, tout le monde va venir chez vous. Mais quand il y a les étrangers chez vous, c'est vous qui vous gagnez des plus. Parce que c'est vous qui vous bénissez. Vous pouvez abonner d'autres même qui vont vous bénir. Merci beaucoup. Je vous remercie à vous. Et le patron, c'est toi mon patron. Si aussi il y a un autre patron, tu vas le remercier aussi. Merci. Voilà. Nous avons honoré de ton passage, merci. De ta présence, de ton talent. Et puis certainement, ce n'est pas la dernière, c'est juste à la première. Pour dire qu'on aura l'occasion encore de te retrouver pour partager avec toi. Là, le temps était très court. On va te retrouver au moins une heure de musique. Waouh! Pour les auditeurs, ça va faire beaucoup de bien à tout le monde. Et puis, une fois encore, merci. On va se dire, on va vous donner rendez-vous pour une prochaine fois. Là, on s'adresse à nos auditeurs. Et puis, c'est sur ce titre de repentance. Non, Yaya Djou, bon, on va pas toujours tout le voilà, tout mais quand j'ai fait. Yaya Djou, voilà, c'est Repentance qu'on n'a pas lancé. Repentance. Ça, c'est un bon message pour tout le monde entier en Afrique ici. Oui. Parce qu'on parle de Corona. Pourtant, nous-mêmes, nous sommes pires plus que coronavirus. C'est pourquoi je dis nous sommes pires plus que coronavirus? Oui. Parce que. On nous a dit que de ne plus se salier, de ne plus s'abraser. Est-ce qu'au moment que les gens se salient là-haut, est-ce qu'ils se salient en bonne condition? Parce qu'ils se salient parce que je dois le salier. Ce n'est pas parce que je veux le salier parce que je dois le salier. Voilà. Tu peux embrasser la personne, mais ton cœur là est noir. Mais vous êtes, nous pouvons être loin. Parce que moi, toi là, il y a une barrière entre nous. Mais on se voit, on se communique bien. Ce n'est pas la peine qu'on se croise comme ça, se barrasser là. On peut savoir que non, on est. Mais ça, c'est voilà. Plus dangereux même que le Covid-19. Exactement. C'est le barrière que Dieu a mis parmi nous pour nous montrer que les barrières en spirituel. Voilà, le barrière, une barrière en spirituel, c'est le barrière physique que Dieu nous a fait pour nous montrer. C'est comme ça que nous faisons. Dans l'obscurité, là, c'est comme ça que nous faisons. Voilà, donc repentance, demander à Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de la Côte d'Ivoire, Dieu de Burkina Faso, Dieu d'Afrique, Corona là, va partir. Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Corona est parti là où que. Mais quand tu as l'argent là, tu ne peux pas te soigner où. Quand tu es pauvre là, il y a des gens qui disent ah, s'il y a danger, on va aller à l'église, ils vont prier pour nous. Ça, ce n'est pas affaire de prière. Voilà, c'est demander pardon à Dieu. Là, on va libérer.
Ce n'est pas parce que j'ai l'argent que je vais aller en Europe pour me soigner. La bonne, c'est grave. Grâce à ça, c'est mieux. Merci l'artiste, voilà, pour la clôture de cette séquence et puis cette très belle chanson Corona.